Et bonjour à toi, ami Capricorne, c'est ton tour pour les astros du mois de juin. Eh bien, c'est parti, on va commencer par les énergies un peu. Alors, on parle d'abondance de l'archange Gabriel avec le cinquième chakra, le chakra gorge. Et on nous parle encore une fois d'abondance. On a deux fois l'abondance. Et ben c'est parti avec ça. C'est déjà pas mal pour toi. Moi c'est Flo. Bienvenue sur ma chaîne des énergies de Flo. Et c'est parti pour Astro Juin, toi, ami Capricorne. On démarre avec le 77, qui nous parle du printemps, mais aussi du bourgeonnement, du début de quelque chose, des choses qui. Bah écoute, on avait la floraison abondance, on a l'abondance, et bien, écoute, les choses s'annoncent plutôt bien. J'ai aussi, on a l'évolution. On a une évolution, c'est aussi la carte du travail. Les choses se mettent en place, hein. Les choses se mettent en place ce mois-ci pour toi, ami Capricorne. Tu surmontes les obstacles. En fait, j'ai deux fois évolution aussi, hein. Et peut-être qu'on peut parler des choses qui se mettent en place pour l'hiver. Alors là, on a le projet qui peut être aussi un enfant. On a quelques difficultés, mais ça se met en place de toute façon. Oh, mais on a trois saisons. On a trois saisons. Oh, si les quatrièmes ressort. Il y a un équilibre qui se fait, un équilibre qui va se faire cet hiver pour que ce soit un enfant ou un projet. Tu vois, toi. Les portes. Laissez-le tranquille. Allez. Allez. Petite baston de chat. Ça va aller? Oh. Bon, j'en étais où? Oui, il y a un blocage ici qui va trouver son équilibre. Il faut couper quelque chose pour évoluer. Et en fait, si tu veux avancer plus rapidement, il faut que tu coupes des choses. Il va falloir que tu mettes fin à quelque chose, que tu coupes quelque chose pour pouvoir avancer plus vite, pour pouvoir évoluer plus rapidement. Parce que là, il y a des obstacles qui justement ferment cette porte. Ces opportunités, elles sont pour l'instant fermées. Mais ce qui te rend un peu triste d'ailleurs, peut-être que tu es, je vais voir la coupe, alors déjà là en dessous, j'ai l'interrogation, les doutes, là on a un chemin, le chemin. Ouais, donc là en fait tu es peut-être dans la confusion, dans les doutes de la direction à prendre, du chemin à prendre. Moi je ressens comme une petite baisse de morale parce que bah, les portes sont fermées en fait, les portes sont fermées, tu n'arrives pas à ouvrir ces portes ou alors tu vois pas les opportunités qui se présentent à toi. Mais ces obstacles, tu vas les passer, ces obstacles. Hein. Alors, c'est peut-être un problème de communication, peut-être que tu n'en parles pas assez. Si c'est pour ton boulot, ben, ton patron, si tu veux évoluer, il faudra peut-être en parler à ton patron. Ou à la RH, à la personne qui s'en occupe. Si ils ne sont pas au courant, tu n'évolueras pas. Il n'y aura pas d'évolution, il n'y aura pas de changement de poste, si tu veux changer de poste, etc. etc. Si tu n'en parles pas, ils seront pas au courant. Parle-en. Si ça concerne ton travail, parle-en à ta RH, à ton responsable.
parles-en à quelqu'un, à la personne qui s'en occupe, hein. Le mieux c'est la RH. Bon. Est-ce que tout se met en place, il y a deux fois l'abondance, hein. On a la floraison abondance et la corne d'abondance. Donc, abondance, abondance, abondance. J'ai avec la carte du printemps les bourgeons, la floraison, les choses qui se mettent en place. Donc, hop, j'ai les obstacles que tu traverses et que tu retrouves un équilibre. On finit comme ça avec l'équilibre. Donc voilà, en plus ça fait printemps, automne, hiver. Donc je pense que d'ici cet hiver, les choses se mettent en place. Mais il faut que les choses se voilà. L'équilibre, tu vas trouver un équilibre, mais il faut que tu commences maintenant, au mois de juin, à mettre tout ça en place. Gorge, communication, hein. Donc voilà, voilà pour ce premier jeu, et je t'en fais un autre. Là on te dit de passer à l'action, encore une fois de couper les choses, et on parle de travail, donc, tu vois, là on confirme, donc ça sert à rien que je développe plus, parce que ça confirme ce que je viens de te dire. Ici on a communication. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, je m'arrête là, parce que ça répète, donc je ne vais pas répéter en boucle la même chose pendant trois plombes. Pas grave, tu auras une petite vidéo, mais c'est pas grave, parce que le message, il est là, il est plutôt bien. Donc vas-y, fonce, tiens, je t'aide en te voyant plein de bonnes énergies, plein de bonnes énergies. Donc passe à l'action, tu peux le faire, tu vas le faire, tu vas y arriver. À très très vite.